À l'occasion de la diffusion de sa tournée 2019-2020 de sur W9, Patrick Bruel est revenu dans une interview à Télépoche sur son extinction de voix en plein concert à Toulon en mars 2019. Mardi 21 mars prochain, W9 consacrera une soirée spéciale à Patrick Bruel. La chaîne reviendra sur les moments forts de la tournée 2019-2020 du chanteur avec un prime time ce soir. Ensemble, suivi d'un documentaire inédit au cœur de la tournée qui retracera les coulisses et les moments de cette tournée. Une soirée spéciale aux allures de Bruelmania. En 30 ans de carrière, cela ne m'était jamais arrivé. À l'occasion de la diffusion prochaine de la soirée spéciale, Patrick Bruel a accordé une interview à Télépoche. Le chanteur de 63 ans évoque notamment la raison pour laquelle il a voulu dévoiler les coulisses de son concert. Je voulais montrer ce qui se passe avant, pendant et après le spectacle. Les doutes, les interrogations, les éclats de rire, les angoisses aussi, tout ce qui accompagne une tournée, a-t-il confié. L'interprète de Casser la voix est aussi revenu sur son extinction de voix survenue lors d'un concert à Toulon en mars 2019. Le chanteur était même le premier étonné, « D'habitude, je n'ai pas de soucis avec ma voix », a-t-il assuré. Mais là, je ne pouvais plus parler, je pensais sortir à la deuxième chanson et puis, par miracle, j'ai pu faire tout le concert. En 30 ans de carrière, cela ne m'était jamais arrivé, a-t-il ajouté. Patrick Bruel prépare une tournée pour 2024 chez nos confrères de Télépoche. Patrick Bruel a aussi reconnu que le fait de jouer à Paris la Défense Arena, la plus grande salle de concert d'Europe, était un véritable défi. Ce n'était pas simple au niveau du son, mais nous avons joué deux soirs magnifiques, et quelques amis sont venus me retrouver sur scène, Boulevard Désert, Claudio Capeo, Erza Mucoli, Slimane, Vianney. Le chanteur en a même profité pour annoncer sa future tournée. Ce sera un assortiment entre les titres de l'album Entre une fois, les anciennes chansons et bien d'autres surprises. Nous reprendrons la route début 2024. Comme l'aurait dit l'artiste lui-même, on se dit rendez-vous dans un an. À lire aussi, il n'arrive pas à me virer, Patrick Bruel, membre le plus fidèle de la troupe des Enfoirés.